menacée. Je suis. C'est vrai. Menacée, ça serait stupide. C'est-à-dire, vous avez un peu peur de, ne... de tomber dans l'oubli. Ça se voit qu'on connaît pas Lady Sonia. Il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc s'il y en a d'autres qui sont nés après, elles mangent dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des coachs. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Mmh. Et une légende ne tremble pas. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée, vous allez manger. J'applaudis toutes ces femmes qui naissent et qui deviennent coach après moi. À part moi, on parlait pas de coach. Si on parle de coach, c'est parce que c'est, je suis passé par là. J'ai fait quelque chose qui est bon. Mais vous pouvez commencer et puis il y a d'autres qui vont vous dépasser, hein. Parce que là, on voit que... C'est très bien. Même si vous me dépassez, dépassez-moi seulement pas dans le VDT. Il y a, dépassez-moi dans l'impact des vies. Ok. Et les impacts aussi, le communauté. Mais bravo! Mais bravo! Pourquoi vous voulez que je sois? Attends, il faut connaître Lady Sonia. Lady Sonia, c'est un autre level. Si on m'appelle la Oprah Winfrey d'Afrique, c'est que je ne tremble pas. Je suis fière. Ça veut dire que j'ai créé, vous prenez. C'est ça la grandeur. On reconnaît une leader parce que quand elle met au monde, ses enfants sont encore plus grands. C'est parce que ces personnes ont honte d'avouer qu'elles ont appris chez Lady Sonia, qu'elles sont devenues parce que... Mais ce sont mes enfants, ce sont mes couronnes, mes perles sur mes couronnes. Je suis fière. C'est vous les êtres humains, les mauvais de Facebook là, qui aimez cogner les têtes des gens. Vous dites oui, Lady Sonia, on la compare, j'ai dit, toutes les coachs des réseaux sociaux là. Vous êtes la Daichi de quoi? Je m'en fous de vos titres de Daichi de quoi, mais c'est moi la mère du coaching, la mère comme on dit. Et je ne peux jamais trembler. Donc les gens, non, j'ai pas fini parce que ça j'en ai marre. D'accord. J'en reçois beaucoup dans mes inbox tous les jours. Oh oui, un tel a pris ceci, un tel. J'ai dit, il n'y a pas une place de pouvoir. Oh, je n'ai pas fait un concours pour devenir ce que je suis. Tu es ce que tu es. Tu fais avec ta passion et tu fais l'impact. Si tu viens demain, tu me bats, tu viens, c'est bien. Mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. Si tu es coach, c'est pour sauver les vies. Tu n'es pas coach pour te faire voir. Mais dès le moment qu'on rentre dans ce genre de speech-là, pour cogner les têtes, pour dire que l'autre est mieux que toi, c'est que tu es un maboule, un tocard, tu devrais caler en l'air.